Ouais, salut la team, Erwan Mbok, attaquant du FC Charlon 85. Aujourd'hui, c'est moi qui prends le contrôle du snap de JK Foot Projecteur. Restez branchés, ça va swinguer. Bon la team, ce soir, déplacement très important à Laval. Du coup, petite vérification des équipements, histoire de rien oublier. On a des crampons, survêtement de sortie, le bâton de massage très important, le protège, le casque, le GPS, l'ensemble aussi très important, serviette. C'est bon, hein. Je crois qu'on est paré, c'est parti. Totalement en compagnie de mon gars Romedio. Ouais la team. Première titularisation. Tes ouais, impressions la team. Ce bien. Soir, première titularisation, qu'est-ce que t'as à nous dire? Ah, on va essayer de donner le meilleur de soi-même. On va se battre. Tu vas être en mode muraille de Chine ou tu vas nous faire une boulette? Super Saiyan. En mode Super Saiyan. Où ça? Bon, fin du match. Retour à Chalon. Résultat 1 partout. Hugo, tes impressions? On a été solide. On n'a pas perdu. C'est le principal. Maintenant, on va s'accrocher. On va essayer d'accrocher quelque chose de sérieux. En mode Super Saiyan. Semaine prochaine, frère. Technique. C'est un leader technique. Tu vois, bah, leader, c'est quoi? Leader, c'est chef. On n'a jamais dit le contraire. Mais pour moi, Cristiano, c'est plus un chef que Messi. Tu vois, Cristiano, c'est le mec qui va pousser des gueulantes et qui va mettre des buts et qui va parler et qui va assurer. Oui, allez. Mais si t'es un leader technique. Mais les deux, c'est des leaders. Cristiano, c'est une machine de guerre. Messi, c'est une machine de guerre. Moi, ce que je veux dire, c'est à la mi-temps. Tu penses que Messi, s'il a une grande affaire, il va pas la pousser. Mais arrête. En tant capitaine, bien sûr. Mais jamais. T'es pas arrivé sur toi. Jamais. T'es arrivé sur toi. Même en argent. Même dans ton pays d'origine, il crache dessus. Oui, mais parce qu'il est parti tôt. Parce qu'il est parti tôt. Pourquoi? Ils sont mal pris avec lui. Pourquoi? Ils sont mal pris. Mais pourquoi? Parce que son équipe, normalement, il doit la mettre là, frère. Et là, ils sont en train de tout faire. Il peut rien faire tout seul. Tout seul, il peut rien faire. C'est impossible. Ah, donc CR7, il a du monde avec lui. Ouais, il a pépé. Il a pépé. Il a pépé, wesh. Ouais, donc Pépé c'est un clown. Bon là il y a un débat là. Est-ce que Lionel Messi c'est un chef comme Cristiano Ronaldo? Je veux vos avis là. Contre Alaves ou je sais pas qui. Sérieux, non, on s'en bat les couilles. L'année dernière Cristiano contre la Juve, gros. Contre la Juve. Ils étaient tous comme ça, gros. Contre la Juve, cousin. C'est pas contre Alaves ou contre... Régale, et Messi me régale parce que ça, techniquement c'est un phénomène. Je compare pas les deux joueurs, je parle de mentalité. Et dans la mentalité de chef, pour moi Cristiano il est au-dessus parce que vas-y il a gagné avec Manchester, vas-y je vais au Real. Je gagne avec le Real, là je vais à la Juve, je vais gagner avec la Juve, frère. Ça c'est une mentalité de champion, toi. C'est pas je reste dans mon confort, je suis parmi au Barça, tout le monde me brosse dans le sens du poil au Barça. On voit, on est prêt, c'est la part qui va par la passe. De toute façon, s'il en reste, on les rejettera à la cave. Ouais la team, on vient juste de rentrer. Et c'est déjà l'heure de rendre le snap à JK Foot Projecteur. J'espère que vous avez apprécié cette journée en ma compagnie. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. Et on se dit à bientôt sur les terrains. Allez, ciao!